Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Ouais, salut YouTube, c'est Laxis les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et donc on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon Ruby Omega à mode challenge. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il y a je pense que vous avez vu, il y a des petites nouveautés. Donc dans le layout, je me suis refait un nouveau layout. J'espère qu'il vous plaira, j'aurais passé assez de temps. Comme vous avez pu remarquer, maintenant il y a l'écran du bas. Je n'ai pas de capture board. J'ai trouvé un moyen, je ferai un de ces quatre, un tuto, un moyen de démerde on va dire, pour filmer mon écran du bas et mon écran du haut, et sans capture board. Donc voilà. Donc nous étions arrêtés ici les amis. Donc on va continuer notre aventure. Hop. Excusez-moi, sa caméra a bougé. Alors, ça on va la décaler comme ça, ça sera mieux. Hop, c'est parti. On va y le refaire. Ouais, coucou tout le monde, c'est Laxis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon Ruby Omega. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a des nouveautés dans cette vidéo. Le layout, j'espère qu'il vous plaira parce que j'aurai passé du temps à faire ce magnifique layout. Et aussi, vous voyez maintenant l'écran du bas de ma 3DS. Bon, c'est un peu un système des merdes, mais comme je n'ai pas de capture board, mais je vous ferai un de ces quatre, un tuto pour filmer les deux écrans sans capture board. Donc on est parti, donc on s'est arrêté ici. Hein. Alors... juste regarder mon équipe. Donc on a ça, ok. Hop, on continue. Ah! Oh, tes Pokémon ont fière allure. Tu veux bien m'accorder un instant? Bon, vous voyez les reflets. Hein. Maria va t'adresser à se battre. Ouais. Excusez-moi si vous voyez les reflets, mais on est en plein après-midi. Il y a vraiment beaucoup de luminosité, donc je peux pas faire autrement. Je suis vraiment désolé. Un Goélise, on va faire double pied. Parce que ouais, il y a un reflet là, c'est chiant. Attendez, et je teste un truc. Je fais ça. Ça va. J'ai peur que ça me gêne. Non, la luminosité vient de là. On va refaire double pied. Hop. Notre chamallow monte level 17 les amis. Notre chamallow. C'est de nouveau double pied. Hop, one shot. Bon, c'est un peu agaçant ce reflet, mais bon. C'est comme ça. Un Roselia. On va lancer une trop charge. Ah merde. Hop, ça s'est fait. Le truc s'est enlevé. 2 secondes, je vais remettre un truc. Merde.
C'est chaud, ça. Ah. Ouais, excusez-moi. Alors, Gloopty monte au level 17. Bon, Gloopty, je vous l'ai bien dit, c'est juste pour lui apprendre les CT et les CS. On s'en fiche complètement de lui, en fait. Je vous rappelle qu'on est en monotype challenge, on doit choisir, on doit avoir dans notre équipe que des types feu. Ils ne paraissent pas seulement forts, ils le sont réellement. Ok. Et on continue. Route 113. Tiens, il y a Flora. Salut! Salut! C'est que c'est loin de tout cet endroit. J'étais épuisé donc j'ai fait une pause. Ton Pokémon, tes Pokémon aussi ont l'air épuisés. Laisse-moi les soigner. Sympa, nous sommes nos Pokémon et tout. Pour ta gouverne, le professeur Cosmo est une sommité et ses travaux sur les météorites l'ont rendu très célèbre. Je ne comprends pas ce qu'il étudie en détail. Apparemment, il y aurait un truc entre les Pokémon et les météorites. Mon père, le professeur Seiko, l'assiste parfois dans ses recherches. Allez, on est presque à Otekia. Du moins, j'espère. Oh les cœurs! Ok. Alors, attendez. Hop. Ah. Premier Pokémon sauvage de cette zone. Un Spinda. On va faire la fuite. Hop, ça s'est fait les amis. Oula. Ouais, je suis vraiment content de mon layout. Hein. Par contre, je suis vraiment désolé pour la luminosité. J'essaierai de régler ça pour la prochaine fois, mais je vous le garantis pas. Tu sais pourquoi il fait si frais par ici? Non, je sais pas. Pourquoi? Dites-moi. Ken est le gamin veut se battre. Il a un Krakno. J'aime bien ce Pokémon. Voilà, go! On va lancer... Ouais, Nitro Charge. C'est une de mes attaques préférées au début. Quand il est bas niveau. Hop là, ça s'est fait. Et oui, j'ai remarqué un petit truc aussi. Qu'en fait, quand dans mes vidéos, en fait, vous m'entendez et tout. Nickel et tout, il n'y a pas de problème avec ça, mais en fait, ça, vous m'entendez avec une voix différente. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, ça me fait une voix de gamin. Vous m'entendez avec une voix de gamin. Ça me fait une voix un peu plus aiguë. Alors qu'en vrai, j'ai une voix plus grave quand même. Mais bon. Ah. Ah, je suis dégoûté. Hop, allez, on continue. Oui, il y a un peu la luminosité, elle est un peu foirée. Alors, faut aller... Ok. Je jaillis des cendres. Je te mets au défi, pardon. Antoine, le ninja amateur, va se battre. Un Smogogo. Smogo. Vas-y, poilu. Si, tiens, je m'en fais un Nitro Char. Je tenais aussi à vous le dire, un de ces quatre, quand j'aurai fini cette série Pokémon, j'en ferai sur les autres jeux Pokémon, comme Pokémon Y ou autre. Mais je compte faire un peu, je compte faire également comme pas mal de youtubeurs, j'aimerais bien faire des... Quand j'aurai une bonne équipe, faire des... Ah. Faire des combats Wi-Fi, en fait, soit contre mes abonnés, ou soit comme ça, des petits combats Wi-Fi et tout, ça peut être pas mal. Donc je compte faire une série comme ça plus tard. Pas tout de suite, hein, mais prochainement. Et je compte faire aussi également une série de... Une série en fait pour chasser les Pokémon Shiny. Et vous verrez, je chasserai, admettons... je dirais un Pokémon, je le chasserai en vidéo, etc., etc. Je pense que ça peut être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est une bonne idée ou pas. Sinon, je remarque chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Donc je vous remercie. Donc moi ça m'encourage à refaire plus de vidéos. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos. Un Smogo. Bon moi, mais il a que ça ce dresseur.
Par contre, la luminosité, ouais, elle est un peu foirée. J'admets ma défaite avec dignité. Ouais. Merde. Je prends ce parasol pour que mon cher chevalon ne soit pas recouvert de ces fichues cendres dégoûtantes. Ce parasol, on pourra plus le machin. Ah putain, le truc, c'est encore décollé, il me semble ce truc. Attendez, deux minutes. Voilà. Excusez-moi. Encore une fois. Alors, on va refaire... on va faire double pied. Hop. Ah, j'avais oublié, je suis empoisonné, l'autre... Le combat personnel m'a empoisonné, saleté. Fiu, je suis exténué. Non, c'est pas passé. En fait, je mettrai mon code ami, les amis, j'essaie d'y penser, de le mettre en description. Comme ça, vous pourrez m'ajouter si ça vous dit, comme ça on pourra faire des combats ensemble ou autre. Même des échanges. Attendez, hop. Faut aller où? Ah. Encore un spinder. Bon bah, on va refaire la fuite. Hein. Oh. Décidément. C'est vrai, je vais avoir enchaîné, tu sais. Bon bah, on va refaire la fuite. Mais là faut aller où? Faut pas aller par là de toute façon. Faut aller par là. Ah voilà, Otekia, on arrive à une nouvelle ville, on va au centre Pokémon tout de suite. Hop. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, nous soignons tes Pokémon. Pokémon. Bon bah on a nos Pokémon. Je rappelle que Goupil, je le prends juste pour les... pour les Clatrock, Force et tout ça. Ça arrête là. Salut chers Dantekia, nous plantons des arbres très vivaces, capables de pousser dans la cendre volcanique. Ah ouais, ça va être chaud le combat contre le... contre le type volcanique parce que... parce que voilà quoi, ça... c'est des types feu, j'ai que des types feu dans mon équipe. Oh là là, c'est terrible, Axis, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres, la team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la team Magma. D'après ce que j'ai compris, ils en ont appris après la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il aura suffi de dire qu'il était très intéressé par ses travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Quel incorrigible, naïf. Laxi, s'il te plaît, aide-moi. Ils vont sans doute utiliser les résultats de recherche du professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord? Retrouve-nous au site météo. Je compte sur toi, Alexis. Ça marche. Donc, direction le site météo. On est à 14 minutes 53 de vidéo, d'accord. Alors, par contre, où il va être, j'espère qu'il n'est pas trop loin. Route 114. Direction le... Alors... Ah. Hé hé, tu as affronté mon Pokémon. Le Pokémaniaque. Un Galekid. Je rappelle que Ruby Omega c'est une remake de l'ancien Pokémon version Ruby. Alors on va faire... je crois que c'est un type acier donc normalement... Ah bon il fait abri.
Le type feu, ça devrait être sa faiblesse, il me semble. Bah même pas, je me suis trompé. Fermeté. Merde. Oula. Ouais, ça va. Par contre, il me fait baisser ma vitesse, ça c'est genre... Bon, faire une recharge pour la faire revenir à la normale. Ah non, il joue qu'un seul Pokémon. Ah ouais. Même mon Pokémon. Bon. Merde. Hey, j'en ai marre les gens des Pokémon sauvages, je crois que je vais prendre des super pousses. Oh, et puis feuille. Ouais, dommage, j'aurais en let's play normal sur mon type challenge, vous voyez, je l'aurais capturé. J'adore Pifeuille, c'est un de mes Pokémon préférés. Mais comme on doit avoir que des Pokémon de type feu, bah je vais pas le capturer quoi. Mais dans mes prochaines versions Pokémon, je referai des play normal je pense. Enfin je verrai, mais vous verrez ça à ce moment-là. Alors. Ah, nous voilà. Qu'avez-vous fait avec le professeur? Eh, répondez. Il s'enfuit, il est lâche. Lâche. Je sais pas du tout où faut aller en fait. C'est pas là. Je crois. Hop. Oh, on a de la chance, on a esquivé lui. Là ouais, c'est les météorites qui sont tombés par là. J'ai vu les gigantesques trous. Encore un montagnard, putain. La la liou. Il n'y a pas d'écho. Crie. La la liou. Pour le remplacer. Valerian, le montagnard veut se battre. Un Machoke. Machoke. Poilu, go. Poilu. Fais-moi plaisir. Lance l'attaque pic-pic. Go, pic-pic. Hop là, ça a la faiblesse. Bah ça l'a pas one shot, dommage. Et qu'est-ce qu'ils ont avec ma vitesse? Ça c'est quand même la faire baisser son chiant. Hein. Pic pic go. Voilà. Mets choc et demi KO. La liou. C'est ce que je crois pour un loup-garou, tu sais. La liou. What the fuck. Bon, nous arrivons enfin devant la fameuse grotte, le fameux site Météor, fermé Rouville. Allons-y. C'est parti. Sympa l'été, quoi. Oh non. Eh, avant la prochaine vidéo, les gens, je vais m'acheter plein de super pouces, max repousses et des repousses normales. Puis j'en ai marre des Pokémon sauvages, franchement. J'en ai vraiment marre. On va prendre la fuite. Encore ça serait des types feux, je pourrais capturer. Mais là, ça ne sert à rien. Et vous, relâchez le proviseur Cosmo. Mais d'où sortent ces mioches? Laxis, tu es venu. Nous devons sortir le professeur de leurs griffes. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez Laxis, affrontons-les ensemble. Ouais, c'est parti. Merci. Mouahaha. Si c'est pas mignon. Vous avez vraiment l'intention de m'affronter, moi, Kelvin, le représentant du chef de la Team Magma. Comme vous voudrez. Bienvenue dans la cour des grands. Je vais vous donner une bonne leçon. Moi. C'est notre premier combat ensemble, Laxis. Je compte sur toi. Notre premier combat duo dans le mode histoire, les gens. Sympa. Ça promet. Ok, un Smogo et un Gradina. Moi j'ai un Galifrey en bas de nuit. Et il a la capacité d'intimidation. On va faire double pied sur le Gradina. Vandardis, ah j'aime pas cette attaque. Et après on est confus, c'est trop chiant. Problème de statut, j'aime pas ça.
Non, il fait destruction, il est sérieux. Aïe, ah ça va. Ah le con, ils sont suicidés ces deux Pokémon. Ah les cons. En plus, je gagne un niveau. Amnésie. La place de puissance, j'aime pas le PP puissant. Amnésie. Un chamallow. Double pied. Ah oui, c'est vrai, je suis confus. Non. Aïe, 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 aïe. Ouais, il me reste 3 PV. 3 PV, les gens, c'est chaud. Ça va, il envoie un Fabio. Bon, double pied, j'ai dit. C'est bon, il est plus confus, nickel. Hop. Allez, hop. Voilà, un beauté le cul. Quelle force. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. L'Axis, on a gagné. Mêlez-vous de vos oignons, les mioches. Grâce aux connaissances scientifiques de la Team Magma, à l'énergie du manche miné et à la puissance cachée de la météorite, un Pokémon très ancien. Mouahaha. La Team Magma n'est même pas capable de battre des gamins. Qui est-ce? Prends la musique. Écoutez-moi ça. La cinématique. Oh my god. Qui est ce nouveau clan? Oh my god. Waouh. Oh my god. La team a quoi? Ici, il vaut mieux commencer à chercher les portes de sortie. Et toi, récupère la météorite. Tout de suite. Oh là là, par ici la météorite. Professeur. La météorite et Hins the Pocket. Sur ce, à plus bande de crétins. Pas une minute à perdre, direction le mont cheminé. Ah Arthur, on ne peut pas laisser la team Magma nous filer entre les doigts. Tu as raison. Et ils ne nous échapperont pas. Eh, vous vous débrouillez pas mal pour des gamins. Je m'appelle Arthur. En tant que chef de la team Aqua, j'œuvre pour recréer un monde idéal pour les Pokémon. On dirait que vous avez un problème avec la team Aqua, moi aussi. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais attention, j'hésiterai pas à vous arrêter si vous venez déranger les plans de ma team Aqua. Sur ce, à plus. Mais qui sont tous ces gens? Je ne comprends plus rien. Professeur, tout va bien? On dirait qu'il n'a pas encore complètement retrouvé ses esprits. L'Axis. Nous devrons raccompagner le professeur à son laboratoire d'Otekia. Allons-y, professeur. Donc là, on sort du mont cheminé. Je crois, ouais, c'est mont cheminé. Ah non, c'est pas le mont cheminé. Enfin bref. Donc, de nous voilà, enfin de retour à Otekia. Professeur, ah, quel soulagement. C'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite? À première vue, ils ne semblent pas dotés des meilleures intentions. Restons tous sur nos gardes, même si je ne me fais aucun souci pour tes Pokémon et toi, Alexis. Je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Accepte cette CT en guise de remerciement. La CT 23 entière. C'est une bonne CT, franchement, entière, c'est une bonne CT. Bien, et maintenant, tu vas faire quoi, l'Axis? Moi, je pensais continuer vers la prochaine arène sur ma route. Tu sais, c'est celle de Lavandia. Ça te dirait de venir avec moi jusqu'à Lavandia? Ouais. Bien reçu, on est parti! Nous sommes arrivés à Lavandia. On n'est pas loin du mont cheminé, mais les sales types du cimetière
On dit que c'était la prochaine cible. Laxis, sois prudent. Ah oui, d'accord, en fait, on retourne ici pour accéder en fait au mont cheminier. Ah d'accord. Bon, vous savez quoi, les gens, on va faire une petite sauvegarde. Et on va s'arrêter ici. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc pensez à liker, à follow et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut, salut !